Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Nous commençons avec bonne grande titre Paris l'habitude. Un cinquième calamor avec COVID-19 est recordé. Entre-temps, encore 18 Seychellois ont testé positif pour sa maladie. Président Wivel Ramkalawan y annonce plusieurs réformes de bon ministère, l'agence et board. Nouveau dirigeant parti United Seychelles dit que sa partie restait un qui progressiste et démocratique et qui pour protester l'élection présidentielle en 2025. Une délégation sortie des Émirats Arabes Unis de pays pour conseiller gouvernement le plan développement pour import international. Rapport bureau statistique qui montrait qu'il y en a une réduction de la quantité de monde qui peut vivre par bas niveau de la pauvreté entre 2013 et 2018. Nous passons le bon détail. Un troisième cas de mort lié avec COVID-19 est enregistré aujourd'hui grand matin. Sa madame est admise dans son isolation, plus bonne salonnée et tenant les autres complications médicales. Entre-temps, 18 nouveaux cas COVID-19 sont recordés depuis la dernière mise à jour et ça y fait un total 1223 cas de pays. Tout ça, 18 cas, et bon, c'est ces lois et les autres, sont restés maillés. Le ministère de la Santé peut continuer de demander au public pour respecter les bonnes directives et mesures qui sont en place et bonnes personnes qui expérimentent cet homme COVID-19 pour apporter tout le monde symptômes glacés, Belaza avec Montfleury. Et pareil, mon dit, il y en a 5 calamours reliés avec COVID-19 qui ont enregistré aujourd'hui. Grand matin. L'office président a annoncé que le président de la République, Wivel Ramkalawan, avec First Lady Linda Ramkalawan, a gagné la deuxième dose vaccin Sinopharm bon matin. Le président Ramkalawan et son madame ont parmi plus que 30 000 individus qui prennent la première dose de ce vaccin contre COVID-19 jusqu'à présent. Ça forme partie de la campagne nationale pour le vaccin contre COVID-19 qui peut cibler plus que 3 cas de la population, c'est celle jusqu'à mars. Ça n'en est. Sa campagne peut faire par phase contre des vaccins, ça et Sinopharm et Covishield qui peuvent administrer de bons groupes clés dans la société. La restante du monde expecté commence à gagner sa deuxième dose à partir des 7 semaines prochaines. Président Ramkalawan annonce l'abolition de plusieurs positions board et l'agence dans le gouvernement, aussi bien qu'il création de certains nouveaux boards avec l'appointement nouveau chairman et aussi l'appointement de certains nouveaux chefs exécutifs. Ça y tombe dans le cadre première série de réformes que le nouveau gouvernement y fait. Bonne décision que le président y dit, il discute avec le cabinet et bon ministère concerné et qui c'est bon ministère qui propose bon nom avec lui. Cette annonce coïncide avec 99e jour depuis que nouveau l'administration in prête serment avec sa réforme tout bon poste conseiller spécial pour bon ministre est aussi aboli. Nous pouvons lire ce reportage un petit peu plus tard de nouvelles. Et président Ramkalawan a aussi appointé Cindy Weeds comme nouveau député chef exécutif SBC. Son appointement prend l'effet aujourd'hui même. Mlle Weeds a joué SBC en 1995 comme un journaliste et présentateur de nouvelles aux radios avec télévision. Après 12 ans avec SBC, il a continué son carrière dans communication et marketing contre la banque MCB avant retourne SBC 3 ans plus tard en 2010 côté un travail comme chief marketing et corporate affairs et côté un travail jusqu'à là. Il y en a un premier degré dans télévision avec radio et aussi il y en a un diplôme de marketing leadership avec strategic management. Parti United Seychelles dit qu'avec élections, autres nouveaux dirigeants et nouveau comité exécutif national,
pour reconstruire sa partie pour faire les vignes et la force qui était plaisir l'année passée. Ça pour assurer qu'il y a une opposition qui est très forte et mettre les autres dans une bonne position pour contester la prochaine élection en 2025. C'est le nouveau dirigeant United Seychelles, Dr. Patrick Emini, qui nous dit ça pendant une conférence de la presse après-midi. Ça, une deuxième conférence de la presse que United Seychelles y fait depuis l'année in commencé. United Seychelles y restait un parti progressif, démocratique et patriotique qui a cessé la guerre et qui tout le temps met les hommes au centre de nos développements et qui croit fortement dans la justice sociale. United Seychelles est très fier et le développement qui de bonnes prédécesseurs, SPUP, SPPF et Parti les peuples, il fait de développement sa pays, Cécile. Et nous aussi fiers, la quantité qu'ils nous fait pour libérer potentiel beaucoup nos bonnes aînes. Parti United Seychelles, il sentit qu'il se bon principe, il restait relevant aujourd'hui pour assurer qu'il nous peut et vivre de dignité. Réforme de parti US pour continuer pendant l'année et par le district. Nous, l'objectif, c'est pour essayer qu'il nous vienne à la force et l'opposition réelle pour répondre au pouvoir exécutif et législatif en l'année 2025. US, il est réassis tous son 28 000 supporters et bandes qui peuvent retourner tout dernièrement, et il y en a quantité d'autres qui nous plus déterminés qu'ils en mettent pour sauvegarder le bien-être et bien-être de nos pays. Élection nouveau dirigeant parti et comité exécutif United Seychelles qui ne fait récemment pas capable de faire pareil l'habitude pour raison restriction en vie COVID-19. Élection ne fait pas de 2-3 jours le niveau district. Nous avons un plan pour faire un congrès le 30 janvier pour faire sa élection. À cause, d'après nos constitutions, élection leadership party, il va faire pas bon congressiste dans un congrès. Mais après, par contre, bien, nous avons un problème COVID. Il y en a plusieurs restrictions que le ministère de la Santé mettait. Et nous, comme un parti, nous avons décidé pour respecter ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons élection par district pendant une période de 3 à 4 jours. Nous prenons tous les bonnes ballots sortis dans différents districts et nous comptons. Et ça, 15 du monde qui gagnent plus de votes, c'est autres qui aujourd'hui font partie du comité exécutif national. En tout, il y a 20 participants. United Seychelles, il aussi donne son réaction au bon l'annonce que le président Rom Kalawan in fait aujourd'hui et aussi le message de l'État à la Nation qui fait le 22 janvier. Dirigeant United Seychelles, Dr. Patrick Emini, dit que United Seychelles est regrettant que souvent fois, il y en a trop beaucoup menaces de bon l'annonce que le président Rom Kalawan in fait. Et moi, personnellement, je prends pitié pour ce bon CEO, bonne pièce. Qui tout la journée le 1er janvier, le 2 janvier, ou tant de vous perdre le job, pas pour renouveler le contrat. Mais pas comme ça pour traiter un service public. Si y en a changement pour faire, vous créez du monde et vous causez éclat. Nous ne voyons aussi que c'était l'hypocrisie de sa sauna. Nous ne voyons une menace qu'on fait par un trafiquaire. Nous respectons que le président, si vous venez causer avec nous, le dialogue qu'il peut faire avec les trafiquants, le qui m'a dit par le trafic d'eau de Cécile. Pas ça qu'il dit nous avant l'élection. Il va nous dire du tout si ce dialogue tombe dans l'eau. Mais au contraire, que nous voyons, quand c'était aux officiers du gouvernement, le Facebook, petit porté avec les drug dealers qui même des salles de prison. Un demande qui m'a pensé de ça qu'il a dit bon matin, nous assisons, nous écoutons attentivement. Et nous ne pouvons pas finir de faire une analyse de toute sa déclaration, mais nous faisons des observations. Premièrement, sa réforme, qui a dit là bon matin, est piment un witch hunt. Bon endroit, quand il ferme, ou s'en abolit,
au sein de restrictions tirées, nous voyons qu'il y a un supporter United Seychelles, qui a perdu son place. En d'autres mots, qui nous peut voir, une réforme basée sur l'économie, pas l'économie. Deuxièmement, concentration de pouvoir, qui est une tombe d'accord après 2008 pour décentraliser, nous voyons là encore bon matin, et puis gagner recentraliser en travers un cabinet. Ministre pour transport, Anthony Deja, qui dit que pour Seychelles capable de vivre, ça pour dépendre de son viabilité commerciale. Ministre Deja, qui fait sa commentaire après une rencontre troisième temps par le week-end entre Salani Aérien et bon membre de l'Assemblée nationale, a venu Salani Aérien pour discuter de l'Assemblée nationale cette semaine. Seychelles est une source de la fierté nationale qui emploie un quartier de monde. Mais le ministre pour le transport, Anthony Deja, qui dit décision qui promène devant le conseil ministre pour prendre une décision finale de l'avenir salarié aérien et pas pour baser aucun attachement émotionnel, mais le son viabilité commerciale. Il dit que Seychelles est pour besoin de montrer les peuples seychellois qui sont capables de faire son opération à l'avenir pour aider à mener pour revenir de la bise nationale. Pour Seychelles, nous avons besoin de nous poser une question, pas juste qui peut arriver avec Seychelles long terme, mais qui rôle Seychelles est capable de jouer dans sa période où nous avons une crise économique. Ben avion, Qatar, Emirates, British Airways, nous avons fait long haul flights. Nous avons touristes de l'Europe. Mais est-ce qu'il y a besoin pour Seychelles, par exemple, amener touristes sortis d'Israël, pareil, je peux faire en octobre, novembre, décembre, pour que amener les autres ici, c'est celle. Est-ce qu'après le 15 mars, il y a un rôle pour Seychelles pour nous capables d'amener des touristes pour nous donner l'hôtel, pour nous donner guest house? Seychelles a précisé que l'Assemblée nationale peut discuter de l'eau là cette semaine, surtout concernant les difficultés que Salani Aérien peut rencontrer. Une bonne nouvelle, c'est qu'il est Etihad qui a 40% part dans Seychelles et nous fait pour réduire son dette par 79%. Mais causerie entre Seychelles et banque qui part de Salani Aérien pour gagner l'accord de son dette, il y a encore plus continuer. Entre-temps, une délégation sortie des Émirats arabes unis et en ce moment de pays pour conseiller gouvernement qui moyen pour aller en avant avec son plan pour faire un nouveau terminal et un deuxième runway côté porte. Ça, l'équipe sortie à Abu Dhabi qui travaille avec le gouvernement pour développer sa plan qui est lancé en 2019. Sortie aussi repasse dans les autres projets que Zotine donne support tel Paris projet pour Victoria. Par les officiers d'autorité d'aviation civile, qui rencontré sa bonne conseillère ensemble avec le ministre pour le transport, côté bureau SIA et Port. À cause de ce projet IMAZER, et nous avons besoin de débloquer ce bon développement pour mettre ça sans commercial, pour donner plus d'infrastructures et pour donner plus d'endroits pour les passagers, pour les autres alliés, les autres entrées CCL et les autres sorties. Nous vous avons fait une consultation. Ça master plan qui a été créé en 2019 et qui est supposé démarrer en 2020 avec un quelquefois signé l'agrément, mais à cause de COVID, il est resté là même. Nous avons envie de débloquer. Seulement avant de débloquer, nous avons envie de réexaminer pour guetter qui sont relevance actuelle. Après, nous sommes capables d'aller plus loin. Il y a un nouveau runway, il y a un nouveau bâtiment. Il inclut, par exemple, pour nous prendre zone 21 pour nous faire développement aviation là. Oui, il y en a tout ça là-dedans posé. Là, nous pouvons faire ça l'étude. Dans un climat financier qui nous était, nous trouvons qu'il y en a un manque de ressources. Alors, nous devons guetter côté nous pour gagner des ressources aussi. Et Paris a annoncé plus bonheur. Président Rom Kalawan il annonce l'abolition de plusieurs positions board et l'agence dans le gouvernement, aussi bien que création de certains nouveaux boards avec l'appointement nouveau chairman et aussi l'appointement nouveau chef exécutif. Ça tombe dans le cadre de la première série de réformes que le nouveau gouvernement y fait. Bonne décision qui président il dit il discute avec conseil ministre et bon ministère concerné et c'est bon ministère qui propose bon nom avec lui. Ça l'annonce il coïncide avec 99e jour depuis que nouveau l'administration il prête serment avec sa réforme tout bon poste conseiller spécial pour bon ministre il aussi aboli.
Dans Saban l'étang, nous gagnons l'opportunité pour nous regarder bien les différentes structures dans le pays, dans l'administration publique et dans toutes les différentes agences et l'organisation. Aujourd'hui, mon pour annonce, c'est un certain changement qui gouvernement infini réfléchit là et tombe d'accord sur pour besoin arriver. Il pour un an une deuxième série réforme qui va gagner annoncé plus tard. Premier annonce concerne la réforme du gouvernement qui concerne le poste conseiller spécial de bon ministère qui président Reverend Kalawan dit tout peut gagner aboli. Mais il dit que des gens qui sont dans sa bonne position et qui ont une certaine expertise, ils vont être transférés dans les autres positions du ministère. Dans le bureau vice-président, le département de l'information peut gagner aboli. Tandis que dans l'office ministre désigné, ils vont être pris en poste secrétaire principal. Le ministère finance, planification économique et commerce pour aussi n'avoir pas conseiller spécial. De commission fair trading, board peut gagner aboli et sa commission est expectée transformer le tribunal et la loi appropriée passée. Le ministère des Affaires étrangères et tourisme pour un plaisir changement qui peut inclure l'abolition de la loi Bord Touriste CCL STB. STB pour gagner amener directement dans le département marketing avec promotion et il pour gagner dirigé par un directeur général. Département tourisme qui existait aujourd'hui, lui aussi tout, il pour gagner dirigé par un directeur général. Nouveau département tourisme, il y va gagner dirigé par un secrétaire principal qui en Bali y va en marketing et promotion et après ça tout bon travail tourisme. Et sa board qui existait aujourd'hui, sa board STB, pour gagner remplacer avec un conseil qui va un advisory council qui pendant 5 dimoun lola qui va gagner appointé pour lui donner conseil ministre le tout bon cisé qui concerne tourisme. Le département des affaires internes pour ce conseiller spécial pour immigration et l'état civil Pierre Boli. Et pendant réduction de la quantité de membres du comité Trafficking in Persons. Pour le moment, il y en a 10 membres de sa comité. Et là, je t'avais imaginé que c'est sa comité qui est très important pour regarder comment il y a CCL, ils suivent l'obligation internationale et qui nous fait ici, qui n'a pas 10 monde qui vient ici, qui principalement gagne traité comme l'esclave. Alors, sa comité pour sortir 10 membres et il pour gagner réduit pour qu'il y ait 7 membres Lola. Le ministère Transport, Commission Transport, l'OCM, pour un ensemble avec le département Transport, pour autres faire travail plus vite et plus efficace. Le ministère de la Santé, il y a un Abda qui prend présence avec sa ministère et la loi qui s'établit Abda pour bientôt abolir. Ministère de la Jeunesse, Sport et la Famille, pour un plaisir changement, inclut l'abolition des postes conseillers spéciaux. Position Special Advisor pour ministre de la Famille et aussi position Special Advisor pour la jeunesse pour gagner aboli. Département Poverty Alleviation pour aussi gagner aboli pour ne plus exister. Board National Sports Council, Board National Youth Council, ça déborde pour gagner aboli zot aussi. Et zot ava travail National Sports Council avec National Youth Council, y ava travail directement en bas son ministre qui ministre responsable. Conseil national pour ban de monde avec des habilités et aussi conseil national pour ban elderly. Pour une division d'un département des affaires de la famille. Et ça pour faire que ça déborde aussi tout pour gagner aboli. Board National Council pour les enfants, NCC, lui aussi tout, il pour gagner phased out. Nous avons un National Council for Children
qui est un CEO et bien sûr, il travaille directement en bas ministère de la famille. Alors, nous pas senti nécessité pour qu'il y en ait un autre, il y en ait un autre board encore. En même temps aussi, the Youth Enterprise Board, lui aussi tout, il peut gagner aboli et gouvernement pour propose un structure, un nouveau structure à travers qui tout bon grants y va gagner passé et aucun zen qui a envie faire l'application bientôt, je ne sais pas exactement qui m'a dit, je ne suis pas capable de faire ça. Et là, moi, je vais mettre l'emphase qui peut dire, sa Youth Enterprise Board qui donne beaucoup de petits grants, de zen, je ne suis pas capable de gagner sa bonne grants, mais son structure est totalement différent. Dans le ministère de l'Investissement, l'Entrepreneuriat et l'Industrie, plusieurs boards peuvent éliminer. Saïe Board l'Investissement SIB, Enterprise Seychelles Agency SA et Board l'Autorité Industrial Estates. Aussi, ambassade ministère NISTI pour qu'on restructure. Le ministère gouvernement local et affaires communautaires, position Special Advisor pour qu'on aboli. Et M. Kevin Perrine pour qu'on nouveau secrétaire principal. Il remplace Mme Marie-Céline Vidot. Gouvernement local, il y en a 15 membres. Un comité qui s'appelle Internal Assessment Committee. Et l'étant sa comité, il finit faire son travail. Il y en a un autre board qui s'appelle Vetting Committee, qui en a 4 membres là. Et désormais, pour nous dire sa Vetting Committee avec sa 4 membres là. Le ministère de l'Agriculture, le changement climatique, l'environnement, l'Agence de l'Agriculture, l'Agence nationale de biosécurité, pour un ensemble comme des divisions du département de l'Agriculture. Tous les deux autres boards actuels sont abolis. Par contre, il y a une position de chef d'officier de biosécurité qui peut créer pour assurer le contrôle de la frontière. Dans le côté Seychelles Energy Commission, ça peut être transféré comme une division dans le département de changement climat avec l'énergie. Son board, lui aussi, il peut être phased out et il ne peut plus exister. National Botanical Gardens Foundation and Seychelles National Parks Authority pour vin ensemble pour une amalgamation et alors ça déborde aussi tout pour gagner éliminer et sa nouvelle entité qui va appeler Seychelles Parks and Gardens Authority y va en li un board commercial qui va gagner créer et LWMA board qui aujourd'hui est un board avec beaucoup de membres pour gagner réduit pour venir seulement 7 membres. Et encore une fois, nous prions qu'il y ait beaucoup plus l'efficacité. Dans le ministère de l'Éducation, il y a un poste conseiller spécial pour le ministre qui peut abolir. Tandis que dans le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, un nouveau board de l'Agence de protection sociale pour établir. Fonds enfants pour gagner abolir, mais pour la ligne de budget des affaires sociales qui peut administrer par un panel qui peut considérer bonne demande et donner si pas nécessaire ce qui mérite. Président, il dit qu'il y a un board qui peut coûter le gouvernement 36,2 millions de roupies et qu'avec abolition beaucoup parmi les autres, ça peut faire l'économie 12,2 millions de roupies. Et il dit, bon membre, il n'a présent paré pour des services autres rôles ou une base volontaire. Le président dit qu'il y a une quantité de bord, il gagne à éliminer, vu qu'ils n'ont pas nécessaire, bon ministère, qu'ils ont associé avec pour faire ce travail pour les autres. Bon board pour fonctionner ou une base volontaire et bon board, quand il pas mentionne nouveau chef exécutif, ça veut dire qu'ils ont chef qui est là, puis rester. Il aussi cause le changement dans certaines institutions indépendantes. Pareil commission anti-corruption. En ce qui concerne l'institution indépendante, commission anti-corruption pour préserver les conseils. Bonne membre commission actuelle pour prendre votre retraite. 500,8 millions de roupies qui peut payer bonne membre commission pour préserver le service pour employer plus de monde pour faire les vins plus efficaces. Pour administrer déclaration bonne assets, bonnes officiers publics et aussi déclaration bonne la pointe bonne dimoun qui a bonne position constitutionnelle et alors il prenant l'amendement de sa bonne différent la loi et sa des commission public ethics commission
and public persons declaration of assets, liabilities and business interest commissioner, sa bonne position pour gagner phased out et pour ne plus en a. Et mon capable, this explique un petit raison d'être, c'est que sa bonne déclaration est gagnée au commencement de l'année, principalement. Et après ça, c'est quand il y a une action corruption qui sa bonne déclaration est gagnée ouverte. Alors, c'est le fait que sa conseil anticorruption, c'est lui qui est supposé investiguer la corruption. Alors, nous dit, au lien à nous, ben, les autres structures, ça, du monde, il y a fait cette déclaration avec sa conseil anticorruption et alors, je devrais capable de faire ce travail. Premier board qui préside à Tchikozlola et board l'autorité pour Cécile SPA. Son nouveau chairman est M. Gilbert Frichot. Ben, les autres membres, il y a M. Nicole Elisabeth, Brian Loveday, Mamzil Audrey Rose et M. Philippe Poirot. Board l'autorité de l'aviation civile SCAA, son nouveau chairman est M. Malono. Parmi les autres membres, il y a Shirin Francis, Gopi Dubastien, Magali Essac, Kelly Chetty, Gary Jupiter et Yannick Koukou. Board l'autorité services financiers FSC, son nouveau chairman est SS Patrick Payette. Bonne les autres membres, il y a Céline Verghese, David Esparon, Robert Stravens, Philippe Moustache, Samantha Esparon, Cindy Vidot, Wendy Pierre et Richard Rampal. Board Service La Poste, son nouveau chairman, M. Norman Weber. Bon, les autres membres, M. Ayoub Adam, Mamzelle Audrey Nadine, Mamzelle Judith Dodin et Tessa Anderson. Board Fonds Pension Cécile, son chairman, M. Macquaro. Les autres membres, il y a M. Patrick Payette, Elsie Morel, Brenda Morin, Jovine Larat, Shannon Jolicoeur, Sheila Mohidine, José Saint-Ange et Sarah Leng. Tandis que son nouveau chef exécutif est Mamzelle Nizrin Abdul-Majid. Board STC, son nouveau chairman est M. Imtiaz Umadji. M. Ashik Hassan, Jerry Adam, Jamshed Padiwala, Siana Bistoke et Astrid Tamatav, et bonne maman. Board l'Union Estate est seul board qui garde son chairman. Ça est M. Fouin-Kouarou. M. Damien Tézé, Mamzelle Nadine Maillé, Vincent Cédras, Karline Jeanvol, Carl Mills et M. Melton Ernesta, et bien les autres membres. Board Bureau Statistique Nationale, son nouveau chairman et gouverneur de la Banque Centrale, Mamzelle Carolina Bella. Madame Elisabeth Agatine, Marquise David, Shirley Adrienne, Brian Cometan, Gérard Adonis, Ragnavi Naidu, Joël Perrault et Genoaro, et bien les autres membres. L'autorité Industrial Estate, lui aussi, a un nouveau chef exécutif, M. Roy Colley, qui remplace Mme Lucien Tanichos. Pareil, pour nous remarquer, il y en a certains sabons de board qui, il y en a plus que 7 du monde. Et ça, c'est principalement à cause du travail que sabons de board fait, parce qu'ils ont besoin d'un bon différent sous-comité. Et alors, c'est pour sa raison qu'il certains, il y en a plus que 7 membres. Il y en a des boards qui bientôt nous peut attendre la Banque centrale pour faire due diligence avant qu'ils nous capables nommer autres. Parce qu'il y en a côté la banque qui concerne, et ça c'est principalement board, ça qu'on appelle Nouveau Banque, et aussi board la Banque Développement Cécile. Les moments qui, ben non, il finit gagne proposer avec la Banque centrale, et les moments qui la Banque centrale, il y va dans nous. L'approbation, l'oban différents dimon qui nous proposait, nous avons fait l'annonce appropriée. Moi profiter aujourd'hui pour moi remercier tout le monde qui nous donne zot le temps, qui nous donne zot l'expertise pour zot desservir pays, le tout sa bonne board. Gouvernement y apprécie service qu'ils ont fait envers zot pays et moi n'a pas aucun doute qui peut dire. Ils ont continué en ont responsabilité envers nos pays et gouvernement pour définitivement appeler aux autres pour autres prendre certaines nouvelles responsabilités. Et l'annonce président pour repasser en entier le SBC de Nevers là à soir. Président Ramkalawan il lance l'appel avec bon graduates pour mazine faire un autre travail tel qu'enseignant au lycée PSAN qui tombe dans le domaine
Quand vous avez fait l'étude, vous lancez l'appel, les temps, et vous pouvez répondre à une question de journaliste après que vous avez fini de faire l'annonce. Bon matin. Nous avons environ 100 graduates aujourd'hui qui peuvent recevoir un allowance 8000 et quelques roupies. Moi vie aujourd'hui lancer l'appel avec Saban graduates pour dire avec autres il pas cause une gagne une graduate disons de business administration qui ont besoin espère zis ça travail nous c'est pas combien teachers étrangers qui peut travailler ici b on a sa habilité on a sa connaissance à cause ou pas capable et ministère de l'éducation pour encourager autres pour venir dans sa domaine dans sa année pour nous dire ben OK on nous prend 30 on nous prend 40 50 sa bonne graduates et on nous fait un course spécial l'université Cécile pour nous faire autres une bonne teachers et de suite qui peut arriver autres faire sa course autres une bonne qualified teachers Zot pou ne pli ganyen allowance 8000 roupi, mais zot pou al ganyen zot et la paye 16000 roupi, whatever it is. Nan na bonne position administrative dans ban l'école, comme si mon vie dit avec ban zen, l'état nous peut cause l'emploi, spécialement t'en ouen graduate, ou n'achieve un certain niveau, fait sa gymnastique, prend ban nouveau responsabilité, et ça y a va permettre nous, pour nous réduire la quantité. Étrangers qui peut occuper bonne position et n'en va capable remplacer autres avec bonne cécélois et ça est pour couple housing qui nous besoin payer forex qui gagne qui a la bonne différents pays et bien si nous pour gagner nous bonne cécélois qui comprend plus bien nous cécélois et n'en va capable avancer. That's the sort of thinking qui m'a vie nous ben zimoni y adopter. Et sa session question-réponse pour passer dans le programme News Extra Talel le SBCN après bulletin météo. Un nouveau rapport qui nous fait publier montrait qu'il y en a moins de monde qui peut vivre pas en bas niveau la pauvreté Cécile entre 2018 comparé avec 2013, ça y est une réduction 13.1%. Cette information est sortie dans le dernier rapport où la pauvreté et l'inégalité qui bureau statistique ensemble avec la Banque mondiale in produit. Ce rapport mesure la quantité d'argent qui entre dans un lacou et dépenses qui ça la coûte faire. Ce rapport établit 4 366 roupies par deal par mois comment mesure pour déterminer si un dimone est pauvre ou bien non. Ce rapport est résultat l'étude qui s'y fait en 2018 par bureau statistique de la quantité d'argent qui entrait dans un lacou. Dans sa l'étude, bonne participante a besoin rempli et record la quantité d'argent qu'ils ont emmené dans le lacou et bonne dépense qu'ils ont fait aux différents quelque chose par manger, transport et cleanse. Sa l'étude qui commence en février 2018 et termine en janvier 2019. 2036 la cour, le mari prend l'un avec l'ARDIC qui a invité pour participer dans sa l'étude. Bureau Statistique Cécile, en collaboration avec la Banque mondiale, une service à l'étude pour produire un nouveau rapport sur la pauvreté et l'inégalité Cécile. Sa rapport inétabli 4 376 roupies par deal par mois comme mesure pour déterminer si un dimon est pauvre ou bien non. Ça veut dire si dans la cour, la quantité d'argent qui s'est accadé puis emmené est moins que 4 376 roupies par mois, ça la cour est alors considérée comme pauvre. So, si nous prenons l'exemple de la cour, il y en a 3 membres, encore, il faut nous keep in mind qui est hyper adulte équivalent. So, en la cour, il y en a 3 membres, en tout, total household income est 30 000 roupies. So, ça veut dire per person, il tombe 10 000 roupies chaque année. So, ça veut dire que la cour n'est pas considérée comme pauvre. Okay? Mais si, par exemple, de la cour 3 10 moun, qui en a un total income of 10 000 roupies,
So, si nous divisons ça 10 000 ou pi par ça 3 membres, il tombe 3 333 ou pi. Et là, nous pouvons considérer comment par ambassade poverty line et nous pouvons dire que nous money tree pour. Ce rapport est aussi montré que la quantité de monde qui pauvre c'est celle qui nous réduit en 2013 et 2018 pour sortir 38,4% en 2013 pour 25,3% en 2018. 25,3% population c'est celle peut vivre dans la pauvreté monétaire. So, ça veut dire, nous peut dire que 25,3 population peut vivre avec moins que 4,376 roupies par mois. Bureau statistique a aussi montré que l'inégalité entre riches et pauvres c'est celle a aussi amélioré pour sortir 34,6 en 2013 pour 20,30 en 2018. Gini coefficient est simplement un index. Il y a un index qui range from 0 to 1. Et si nous pour express leader term pourcentage, il peut range from 0 à 100. So, un index 0, il veut dire qu'il y a une égalité parfaite dans l'économie. So, ça veut dire si tout le monde tu peux gagner même income. Ça veut dire égalité est parfaite. Mais un index n ou 100, si nous regardons en term pourcentage, ça veut dire total inequality. Ça veut dire si c'est un du monde tu peux gagner tout salaire. Et là, nous pouvons regarder le résultat pour Cécile, nous voir que sa rate est 30%. Ça veut dire qu'il y en a un degré d'income inequality de Cécile, mais seulement, again, ça improve comparé avec 2013. En 2013, ça figure 34,6%. Il y a aussi un an un peu de différence entre la façon qu'ils ont en masse et recordent l'information entre 2013 et 2018. Mais le bureau statistique dit que ça n'a pas affecté le résultat que ça a été produit. Ce rapport cause certains mesures par le 13e mois salaire, réforme du système taxe et l'augmentation du salaire minimum comme une mesure qui est capable d'aider pour améliorer la situation de la pauvreté et l'inégalité du pays. Sa question, là, si pauvre peut être plus pauvre ou si ça qui risque peut être plus riche, ça nous capable de répondre par sa mesure qui nous appelle « poverty gap ». OK avec ça poverty gap squared à cause là nous peut regarder situation ça ben qui pauvres eux même. So si nous peut gater si pauvres peut venir plus pauvre, I would say non. Raison being qui en 2013 nous voit là où peut distance qui là nous la ni la pauvreté en 2013 peut-être ça ben qui pauvre si sa quantité plus bas que ça la ni et en 2013 autin on a amélioration. Oui, of course, nous voyons qu'il y a une amélioration et, of course, tout quelque chose est capable d'improve. So, tout ça là, il part up to nous, il up to ben policy makers, ben decision makers. So, qui m'aise d'autres pour servir ça l'information qui nous présente aujourd'hui, qui m'aise pour servir ça pour influencer d'autres ben policy, pour influencer d'autres ben décision. Si j'ai envie de voir, moi capable de dire, plus bonne amélioration next 2023 qui pour faire. Un rapport audit spécial de bonne transaction la terre qui n'en ont entre gouvernement et parti United Seychelles pour discuter dans session l'Assemblée demain. Session demain pour commencer 9h matin et parmi les autres travaux l'Assemblée pendant révision l'amendement dans régulation 2011 de broadcasting avec telecommunications. Pour aussi une question notice privée qui pourra être établie par dirigeant l'opposition dans l'Assemblée, Sébastien Pilet, côté pour demander l'éclaircissement ministre pour l'Emploi et les Affaires sociales, Patricia Franco, la décision gouvernement pour abolir le programme URS à partir de mars. L'autre question, ça s'émène pour demander par MNE pour le district Bessetane, Churchill Gill, côté pour demander plus d'éclaircissement le combien de monde qui n'a pas travail et bon différents programmes qui en ont à notre disposition. Et suivant souhait président Rom Kalawan qui l'Assemblée nationale et considère situation Seychelles et réaction bon membres qui nous suivent, l'Assemblée invite management et bon travailler Seychelles aussi bien que ministre finance et ministre pour transport pour adresser l'Assemblée pour qu'on puisse le bon défi et l'opportunité qui ça l'accompagne puis faire face avec.
Recess et l'enquête peut continuer pour retrouver John Batten, sa zone 57 ans, qui restait nouvelle découverte, rapportée manquée côté son lacou depuis samedi le 24 janvier. Dans un communiqué, la police dit que malgré les efforts pour retrouver M. Batten, Ziskalet, travail recess, pourquoi apporte aucun résultat positif à part des officiers basés permanent le pralin, semaine passée, il y a aussi un officier CID sorti barré qui fait 3 jours le pralin pour aider avec l'enquête et l'opération RSS. La police demande des gens qui n'ont aucune information en relation avec la disparition de M. Batten pour contacter le code garde pralin ou bien cette commande le maï. Et c'est là aussi que nous terminons le bulletin pour aujourd'hui soir. Madjou, merci beaucoup pour suivre.